Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différents moyens de parler de la mort de quelqu'un. Commençons avec la première expression « être mort ». Alors, tu sais, l'acteur Irfan Khan est mort. Ou la chanteuse Lata Mangeshkar est morte. La deuxième façon de dire la même chose, c'est en utilisant le verbe « décéder ». Attention, ce verbe conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé et non pas avec avoir. Ainsi, vous pouvez dire l'acteur Irfan Khan est décédé, la chanteuse Lata Mangeshkar est décédée. Vous pouvez également utiliser le verbe s'éteindre et comme tous les verbes pronominaux, le verbe s'éteindre se conjugue également avec l'auxiliaire être au passé composé. Le mois dernier, le plus grand dessinateur français, Jean-Jacques Sempé, s'est éteint. L'année dernière, la plus grande chanteuse de l'Inde, Lata Mangeshkar, s'est éteinte. Vous pouvez également utiliser le verbe quitter. Par exemple, durant la pandémie, milliers d'individus nous ont quittés. L'une des expressions que vous avez peut-être constaté assez souvent dans les journaux ou dans les quotidiens, c'est nous pleurons la mort de quelqu'un ou de quelqu'un. Donc vous pouvez dire l'Inde pleure la mort de Lata Mangeshkar. Ou la France entière pleure la mort de Jean-Jacques Sempé. Ainsi, en variant vos expressions, vos phrases, vous pouvez avoir une bonne note. Nous nous retrouverons avec un autre aspect dans une nouvelle vidéo. Donc, à bientôt.